Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'astrologie ne peut être crédible que sur des bases quantitatives et collectives. C'est d'ailleurs ce que le peuple, le public, comprend instinctivement, d'instinct. Savoir quand ils disent, par exemple, les gens du bélier sont comme ceci ou les gens du taureau sont comme cela, ils savent très bien que ce n'est pas un cas unique. Et ça ne les intéresserait pas que ce soit un cas unique. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre cela. Ils disent, oui, mais vous comprenez, tout le monde n'a pas le même destin, enfin, des arguments à la noix de ce genre. Bien sûr que non, ils n'ont pas tous le même destin, mais il y a des problématiques qui reviennent, des stimuli qui reviennent, et qui vont impacter un grand nombre de personnes. Et à ce sujet-là, il ne s'agit pas simplement, avec les horoscopes de presse, dont je suis quelque part l'avocat, tout en pensant que ce n'est pas tout à fait ça, mais quand même, il y a dans l'esprit, il y a quelque chose dans l'esprit des horoscopes de presse qui est nettement supérieur à l'esprit des thèmes de naissance. Hein. Philosophiquement, métaphysiquement, il n'y a pas photo. Donc, ce qui est important, c'est pas simplement de constater que les gens d'un même signe auraient des points communs, c'est de constater que des gens d'un même signe auraient des évolutions communes, c'est-à-dire subiraient des changements dans la simultanéité. Et n'oublions pas que les horoscopes de presse sont prévisionnels. Parce que c'est vrai, et là, Brémorel fait une erreur, c'est vrai que l'on parle des gens de tel et tel signe, mais ça, ce n'est pas la base des horoscopes de presse. Ça, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. On a le soleil dans un signe, on le récupère sur le plan du thème astral, en quelque sorte, on fait ce qu'on appelle un thème solaire, avec des maisons solaires, et le soleil devient une sorte d'ascendant, en fin de compte. Donc il y a une incompréhension de la façon dont on fabrique ces choses-là. Donc par conséquent, quelque part, on va avoir des interprétations semblables, comparables, pour des centaines de milliers de personnes. Et ça peut choquer Brémorel, mais en même temps, c'est paradoxal, parce que justement, épistémologiquement, c'est comme ça qu'on arrive à prouver quelque chose. Donc il interdit à l'astrologie de travailler sur le collectif, en disant il faut travailler sur l'individuel. Et en même temps, il sait très bien qu'au niveau individuel, on ne peut rien prouver. Une sorte de double contrainte qui est assez comique, qui est assez tordue, n'est-ce pas? Donc, le fait de prévoir que pour une certaine population, il va y avoir des changements, notamment quand il y a des changements de phase, des changements qui seront vécus pour un grand nombre de personnes, là, nous pouvons quelque part prouver l'astrologie. Et inversement, il y a là un problème de falsifiabilité, parce que si ces changements ne se produisent pas, c'est un problème. Alors, on n'est pas là dans le domaine de l'astrologie mondiale au sens de Barbeau. Il ne s'agit pas de dire oui, il va y avoir tel événement politique, etc. Non. Il s'agit d'une astrologie collective. Notre ami Lenoble dirait une astrologie groupale, mais il le dit dans un tout autre sens. Une astrologie groupale qui va viser des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, mais chacun à son niveau personnel. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une répercussion politique. Enfin, normalement, il devrait y en avoir une, bien sûr. Mais ce n'est pas le même problème. Donc, arrêtons d'ironiser sur les horoscopes de presse, arrêtons d'ironiser sur des prévisions collectives, car l'astrologie a besoin de ces prévisions collectives pour se valider.